my Christmas list. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Il est 8h45, je viens de rentrer de l'école. Donc je viens de déposer Ella. Ce matin, Ella m'a demandé si je pouvais la récupérer à midi. Parce qu'elle voulait pas manger à la cantine et qu'elle était fatiguée. Elle a eu du mal à se réveiller. Et tous, elle a un peu mal à la gorge. Donc je dis ok, c'est bon, je te récupère. Je te récupère, tu vas te reposer cet après-midi. Parce que clairement, c'est pas reposé ce week-end. Donc je pense qu'elle a... elle est fatiguée vraiment. Puis la maîtresse, elle m'a dit ils sont tous KO. Vivement les vacances parce qu'ils sont tous fatigués là. Donc voilà. Donc voilà, moi je vais monter mon vlog. Il faut que je range cette table. Je l'ai mis partout, tout ce que j'ai reçu et tout. Je voulais vous montrer ça. J'ai reçu plusieurs jouets de la marque App. Je vous en ai déjà montré deux. Et ça, c'est un jouet pour les plus petits que je trouve génial. Et je trouve que c'est une bonne idée. Donc du coup, je vous montre ça. Moi, je vais l'offrir à un enfant que je connais. Ça va être un cadeau en plus, comme ça, voilà, parmi les cadeaux. Et c'est un petit piano en bois, donc il est tout mignon, mais ça prend pas beaucoup de place, mais il est vraiment joli. Et en fait... c'est des touches tactiles, en fait, comme ça. Il y a des fiches ici qui sont attachées, donc vu que je vais pas le déballer, je vais vous montrer comme ça. Et en fait... selon les fiches, l'enfant peut jouer les couleurs. Voilà, il y a la musique comme ça, donc c'est facile à suivre. Même Ella, je suis sûre qu'elle adorerait. Voilà, je trouvais ça très mignon. Et y a 6 fiches pour jouer des petites mélodies faciles. Et c'est une bonne initiation, je trouve. Et là, on a la petite musique comme ça. Je trouvais ça chou. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. App, c'est une marque qui fait plein de jouets en bois. Et les deux autres qu'on a reçus, et là, je joue tout le temps avec depuis qu'on les a. Donc je suis assez contente. Et j'en ai reçu 4 en tout. Et du coup, j'en ai... pris un pour quelqu'un d'autre parce que je trouve qu'on a quand même beaucoup de jouets, donc tant qu'à faire profiter les copains et les copines. Je vais quand même commencer cette journée en me faisant un bon jus d'orange parce que Serge nous a ramené beaucoup beaucoup d'oranges des jardins de ses frères, etc. Donc on a genre 8 tonnes d'oranges et de citrons sur le rebord de la fenêtre. Donc voilà, faut les passer et elles sont hyper bonnes en jus, donc ça va être mon petit déj de ce matin, ça va être des oranges. Bon allez, je vais chercher là à l'école. J'ai tourné une vidéo ce matin. Comme je vous le disais, j'ai pas mal de contenu à produire cette semaine, c'est cool. Là, je vous ai tourné le haul que je vous ai promis de faire depuis un moment. Donc je suis contente, au moins ça s'est fait, comme ça je vais pouvoir le monter dans la semaine. Et je vais chercher mon enfant. C'est l'heure. J'ai eu un cadeau de mon bébé. Oh là là, c'est mon premier cadeau de l'école, je suis trop contente. Il n'y a plus de cadeau. C'est toi qui l'as fait, hein. Est-ce que tu veux que je l'ouvre moi, parce que j'ai peur que tu casses tout, la chérie? Non. Regardez comme c'est joli, j'ai un sapin. Trop beau. Et une carte avec une photo d'Ella. Et en fait, c'est une carte, dedans regarde, il y a de la neige. Regarde, j'ai fait des petits points là. Ouais. Et des gommettes, des points là. Oh, trop beau. On va les mettre dans l'entrée, comme ça papa quand il arrive il va les voir. Là c'est de la colle. Oh là là, mais t'es trop forte. J'adore, merci beaucoup. C'est de la colle qu'on a laissé sacher. On va le mettre à l'entrée comme ça papa. Les poils. Quand il arrive papa, on le voit. Il le voit. Bon du coup je vais sûrement ramener Ella à l'école à 1h30 parce que la maîtresse m'a dit que cet après-midi il terminait les confitures. Genre elle avait l'air un peu embêtée en me disant bon on lui mettra un pot de côté et là elle m'a dit non moi je veux y aller et tout. Donc bon, du coup elle mange à la maison et je la ramène à l'école. Elle voulait se reposer un peu, être devant un dessin animé et se reposer tranquille, donc je la laisse. Il y a la poste. Il y a la poste, exactement. Bon, on se retrouve en début de soirée, j'ai pas du tout vlogué cet après-midi. Je suis désolée, je vous ai abandonné. Mais on a tourné une vidéo avec Nico et Sabine. Elle sera peut-être déjà sortie, je vais voir si je la monte ce soir ou pas. Elle est trop drôle je pense. C'est drôle, on a beaucoup rigolé. Ella est de retour de l'école, on a pris un bain, il est déjà 19h. On a fait une série de photos avec Sabine, elle m'a aidé cet après-midi parce que j'avais pas mal de contenu, comme je vous l'ai dit, à faire.
Et du coup, elle m'a aidée, on a fait des trucs cool, c'était vraiment bien. Donc voilà, je suis contente. J'ai une tête mais complètement défoncée, il faudrait que je dorme un peu. Mais et là, elle s'est encore réveillée deux fois cette nuit. Elle se réveille plusieurs fois par nuit en ce moment et moi, je me rendors pas et je suis fatiguée. Voilà, pas grave. Et du coup, après, ça donne cette tête défoncée. J'ai carrément des poches sous les yeux même. Nico, il fait encore 1 million de pâtisseries pour ses collègues. Pas que. Et du coup, il est à fond. Il a pas arrêté de pâtisser depuis qu'il est rentré du boulot. Regardez ce que Nico il fait pour ses collègues. Je suis jalouse. On a eu aussi. Ouais, j'ai goûté. Et là, elle dessine. Dans son petit cahier. Plein de petits bonhommes. Trop belle. Comme ça, c'est par terre. Ah, elle m'a dit, c'est les enfants qui étaient à la mer avec la maîtresse. Avec... Non, c'est ça, c'est la maîtresse. Ça, c'est moi. Ça, c'est Andy. Ça, c'est Angelette. Et ça, c'est Léa. Et ça, c'est Marie. Ça, c'est Andy. Ça, c'est Marie-Jo. Cool. Trop bien. Bon, on a un petit souci avec cette petite. Ça fait 2 semaines qu'elle refuse strictement d'aller à la danse. Donc, je ne l'ai pas emmenée à la danse parce qu'elle me dit j'ai mal à la tête, je suis fatiguée, elle pleure, elle ne veut pas y aller. Bon, allez, je me suis mise dans le lit avec l'ordi, c'est parti pour 2 montages de vidéos. Donc, je m'y attelle de suite parce que sinon je ne vais jamais le faire. Il est 21h24, c'est parti. Bon, il est quelle heure? 1h30, ça va. J'ai bossé toute la soirée, j'ai traité 1 million de mails, j'ai traité les concours, les envois des adresses, tirage au sort d'autres concours, enfin bref, j'ai bien avancé, j'avais plein de trucs à faire et j'ai vraiment bien avancé ce soir, donc c'est très très bien. Je suis contente parce que demain c'est mercredi et j'ai Ella avec moi toute la journée, forcément, et en plus elle a des trucs à faire demain, ça va être sympa. Et le matin, j'ai du boulot, mais bon, je vais pouvoir le faire avec Ella sans souci. Bref, vu que j'ai monté ma vidéo qui va sortir du coup pour vous mercredi, il n'y aura pas de vlog mercredi, je vais la sortir mercredi soir pour une question de temps de chargement de la vidéo. Donc du coup, je vous retrouve demain matin. Salut Vaiana! Viens ici ma petite Vaiana. Bon, c'est mercredi, alors voilà ce que ça donne mercredi. Et là, je joue dans sa chambre et se déguise. Elle court partout, moi je suis en train de faire tout le linge là, vous voyez. Voilà les joies du mercredi. Wouah, t'as le cœur de... Comment ça s'appelle, Nefiti? Wouah, elle a dit que ça va être Nefiti, je me rappelle pas du tout moi le nom. Bon, du coup, il est maintenant midi passé, je suis en train de me faire un petit café. Cet après-midi, Ella va à un atelier au village de décoration de Noël pour les enfants, donc elle est ravie. Elle avait aussi le goûter de la danse, mais c'était à la même heure. Et vu qu'elle ne veut plus aller à la danse, pas du tout. Je l'emmène à l'atelier du village, quoi. Je vais aller avec elle, on va filmer tout ça. Je sais pas si je dois rester ou pas, je vais voir un peu. De toute façon, ce sont nos amis qui auraient dit ça, donc je vais peut-être rester quand même. Tu as le droit de parler, qu'est-ce que tu veux dire? Ce matin, Ella a joué toute la matinée. Après, on a fait des photos de jolies tenues qu'elle a reçues de Noël qui vont être sur Insta. Il va y avoir des concours et tout, ça va être trop chou. Et voilà, un peu le programme de la matinée. Et on vient de manger des pâtes pour changer. Et là, on va faire l'atelier, chérie? Oui. C'est parti? Ouais, mais là c'est pas une fête, c'est un atelier aujourd'hui, on va travailler. Comme un atelier et il va avoir des ballons. Je sais pas chérie, on va aller faire des décos de Noël. Moi je sais pas ce qu'il va avoir. On va voir, hein. Ça va être cool. On va faire quoi, les bonbons? Pour décorer le traîneau du Papa Noël. Non, là c'est pas le bon ciseau celui-là. Bon alors on est de retour à la maison, j'ai pratiquement pas filmé là-bas parce qu'évidemment il y avait beaucoup d'enfants et que du coup je voulais pas filmer les enfants. Mais on s'est éclaté, enfin surtout Ella,
Elle a couru, danser comme une folle, jouer. Il y avait une de ses meilleures copines de sa classe, donc elle était ravie. Moi, je fais ça pour la maîtresse parce que c'est gentil. Oui, alors là, on a une carte pour la maîtresse et une carte, montre l'autre carte, pour Marie-Jo. Regarde, la TSEM. Non, ça, c'est pour la maîtresse. Ah, d'accord, c'est pour la maîtresse. Parce qu'il y a des couleurs, moi, c'est meilleur la maîtresse. Non, oh, mon amour. Et du coup, on va faire des tampons. On a écrit. Et là, t'enfermes la carte parce que là, c'est un peu. Voilà, on n'entend plus parler. On a écrit. Bon, je suis bête. On a écrit Ella dans la carte. Enfin, elle a écrit Ella dans la carte. Et maintenant, on va faire plein de petits tampons jolis. Et ça ira avec le cadeau parce que demain, c'est la fête à l'école. L'après-midi de Noël. Le goûter de Noël avec le Père Noël et tout. Donc, on va amener les cadeaux demain pour la maîtresse. Et pour Marie-Jo. Le Père Noël aussi, je l'ai amené une carte comme ça. Parce que moi j'aime bien la maîtresse et le Père Noël. Elle avait lâché publiquement sur le sol de France. C'est une actrice cet enfant. S'il n'arrive plus, il est embêtant parce que. Bon allez, on fait les tampons? Il faut faire les jolies cartes pour la maîtresse et Marie-Jo. Bon, Nico nous avait fait une soupe hier soir, du coup, encore pour Ella et moi ce soir, parce que Ella s'est gavée tout l'après-midi au goûter de Noël, là. Et toi, tu vas manger quoi? Ton père, il te fait du figaté, c'est ouais, ça? Ouais, sans doute, je suis figaté. J'avais pas trop envie de cuisiner ce soir. Non, mais t'as bien fait, c'est bien qu'on ait de la soupe, il en reste ouais. Encore pour demain il midi. Hein. Pour demain, ouais. Trop bien. 3 jours de soupe, moi, ça me fait du bien, là. Avant les fêtes, c'est la petite diète d'avant-fête, même si j'aurais dû commencer bien avant. Parce que je sais pas vous, mais moi l'hiver j'ai tendance à m'enrober, hein. Ça se voit je crois. Donc là je suis à plus 3 kilos par rapport à cet été, nickel. Donc après les fêtes, je sais pas où j'en serai, mais je vais essayer de limiter la casse. Mais à mon avis ça va être impossible parce que je suis trop gourmande. Surtout qu'en Angleterre j'ai mangé des Quality Street et tout, des trucs, voilà. Petit chocolat par-ci par-là et tout, je me connais. Donc je pense qu'au mois de janvier, vous savez, les bonnes résolutions, reprise du sport, alimentation et tout, on va être à fond, mais à fond, Nico aussi. Hein. Je crois que clairement, là, le mois de janvier, on va faire un reset de tout ça. Bon, on se retrouve à 22h40. Je viens d'étendre une énième machine, plier une autre machine. J'essaie de faire tout le linge parce qu'on part. Il faut que je fasse la valise demain, soir. Il faut que je commence à emballer les cadeaux, clairement, là c'est urgent parce que ben, j'en ai emballé aucun, mais aucun, et là il faut tout emballer. Donc je vais commencer ce soir, je finirai demain dans la journée, mais demain c'est assez embêtant parce que j'ai la femme de ménage qui vient à 8h, donc ça c'est nickel, elle devait venir l'après-midi, finalement elle vient le matin, c'est pas plus mal. Moi je dois descendre en ville acheter un cadeau pour l'ATSEM de la classe Zéla. J'ai un ou deux trucs à apprendre aussi pour Noël, des trucs de dernière minute. Et je dois encore produire des photos et des contenus pour mes réseaux, emballer les cadeaux. Et à 14h, il faut que je sois à l'école d'Ella. Donc il faut que j'ai tout bouclé avant 14h, mais je sais pas comment je vais faire. Donc je pense que, voilà, je sais pas, je vais commencer à emballer les cadeaux maintenant, il faut que je me dépêche. Je vais me mettre en mode emballage et après je montrerai mon vlog que vous êtes en train de regarder. Comme ça il sera prêt pour demain. J'ai pas le choix. Moi je suis choquée, j'ai reçu un colis de Coralie aujourd'hui pour Noël et Coralie, ma meilleure amie. Je pensais que ça allait être emballé du coup dedans donc je l'ai ouvert. Enfin, je pensais qu'elle avait fait des paquets cadeaux mais non. Elle a complètement craqué. Elle est complètement dingue cette fille. Genre elle nous a fait des cadeaux elle là et moi mais... Trop beau, je suis trop choquée, c'est trop beau. Bon, elle me connaît trop et c'est tout ce que j'aime, mais c'est trop beau, je suis trop trop fan. Je vais vous montrer ça, c'est trop trop canon. Donc, chez Zara, évidemment, ma vie Zara, elle a trouvé ses chaussons qui sont trop beaux et ça va être parfait pour Ella parce que ces chaussons qu'elle avait, ça allait plus du tout, la taille et tout, enfin c'était pas cool. Elle lui a acheté un pyjama Zara qui est juste magnifique. Et pareil, en termes de pyjama, ça commence à être très light parce qu'elle a beaucoup grandi ces derniers temps. Et là, du coup, ça va être parfait. Voilà, elle a pris tout ça chez Zara Home. Parce que celui-là, je ne l'avais pas vu chez Zara. Je me disais, c'est bizarre, je ne l'ai jamais vu. En fait, c'est Zara Home, c'est pour ça. Home. Canon, trop mon style. Et le plus beau, c'est ça. Bon, du coup, je filme mon réflexe parce qu'évidemment, j'ai plus de batterie.
Donc, elle m'a envoyé le pyjama, ça, les draps, Sarah Home pour la chambre d'Ella. Mais genre, une perfection. Une perfection totale. Je suis tellement refaite. C'est magnifique. Je suis trop trop contente. C'est trop beau. Franchement, merci. Merci, trop beau. Je suis trop contente. Elle m'a offert des chocolats. Donc je pense que genre c'est pour Nico quoi. Et ça, mais franchement, je suis trop choquée. Des boucles d'oreilles de la marque Paola. C'est ça la marque. Regardez-moi ces merveilles. C'est juste magnifique. Genre ça descend comme ça. Petite rivière de. Rivière de diamants. Je sais pas comment on dit. Je sais pas si vous voyez bien. Trop beau, enfin je suis trop choquée, c'est lâché un truc de fou. Moi j'espère que ça va lui plaire ce que je lui ai commandé. Enfin, en plus je suis même pas sûre qu'elle va le recevoir à temps, c'est que la poste. Je m'arrache les cheveux. Donc voilà, trop mignonne. Je vais emballer le pyjama et les chaussons pour Ella. Bon les draps, je vais pas lui emballer parce que clairement c'est plus genre limite un cadeau pour moi que pour Ella quoi. Je suis trop contente. Et mais ça, ça va lui plaire. Elle va dire, oh, trop mignon, trop bien, les chaussons et tout. Elle aime bien les trucs roses. Donc je vais les emballer. Et je vais commencer à emballer les cadeaux. Je ne vous ai pas montré du coup. Okay. Si je la réveille, par contre, je suis dans le mal. Hein. Donc, je vais emballer ça. Donc, je vous l'avais montré. C'est le... Sur Insta, j'ai fait un concours pour faire gagner. C'est la créatrice Kimanae qui fait ça sur Instagram. C'est un couffin pour poupée. Il y a la gigoteuse, il y a les bavoirs, il y a les couches. Enfin, c'est trop beau, elle va être trop contente parce qu'elle joue beaucoup à la poupée. J'ai pas trouvé les princesses Disney de Disney Store, mais j'ai trouvé ceci qui fait bien le job, je trouve. Et donc, elle en a déjà une de. Elle a déjà une comme ça, mais c'est pas la même. Mais les autres, elle les a pas. Et elle adore. Aujourd'hui, elle a joué beaucoup avec ses petites poupées d'ailleurs qu'elle a. Qui ressemble à celle-là. Je lui ai trouvé aussi Maui et Anna, mais qui est encore dans le carton. En fait, je vais pas tout sortir, je vais emballer au fur et à mesure et remettre recaché quoi. Donc c'est parti, emballage. Bon, je vais vous laisser. Il est minuit. J'en ai emballé pas mal, mais j'ai pas tout emballé, mais j'ai bien avancé, donc c'est cool. Je vais monter ce vlog maintenant. Comme ça, il exporte cette nuit. Et comme ça, demain, déjà, j'ai ça qui est plus à faire. Bref, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao !